me pincer et me répéter que je suis éveillée. Regarder mes mains, compter mes doigts, rester calme. Bonne journée. Je t'aime, chérie. Moi aussi. Je m'appelle Louise. Je suis votre secrétaire. Je suis ravie de cette rencontre. Je viens d'emménager dans le quartier. David est gentil et généreuse. Je travaille pour votre mari. Vous travaillez avec David ? Le monde est petit. Elle semble avoir une vie parfaite. Ils sont plus heureux quand ils sont seuls avec moi que quand ils sont tous les deux. Tu sentis ? Ah ouais, ta femme. Mais ça recommence à ce que je vois. De quoi tu parles ? Tu sais de quoi je parle. On se trompe en pensant être maître de notre destinée. Il y a une importante part de notre vie qui est façonnée par d'autres personnes. Tu dois apprendre à contrôler tes rêves, Louise. Toi et moi. On est spécial. T'es toujours au courant de tout. Comment ça se fait ? Certains changements sont définitifs. Ne crois pas qu'on puisse toujours faire marche arrière. Maman ! C'est peut-être vous qui avez provoqué ça. Mais tu as dit qu'on s'offrait un nouveau départ. Maintenant, dis-moi vite, avant que je me mette à crier. Tout est clair. Je vois à quel point tu lui fais peur. Je suis éveillée. David n'est sans doute pas l'homme que tu crois. Regardez mes mains. Ne crois pas une seconde que tu puisses comprendre mon couple. Comptez mes doigts. Restez calme et bien concentré. Nous autres psychiatres ne sommes pas vraiment plus doués que les autres. Sauf pour cacher des choses.